Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, le prince Albert II de Monaco à Brest pour la CITEC Week. Le souverain monégasque a également rencontré des écoliers à Océanopolis. Des collégiens de Pont-l'Abbé qui n'ont plus de notes depuis la rentrée, c'est normal, c'est une nouvelle méthode d'enseignement pour responsabiliser l'adolescent. Et puis la pointe de la torche s'apprête à revivre l'ambiance de la Coupe du Monde de windsurf de 1986. Sur place, les concurrents sont déjà à l'entraînement. Tout de suite, l'actualité de ce jeudi 16 octobre 2014. Visite princière à Brest ce jeudi. Le prince Albert II de Monaco a fait un passage très remarqué à la CITEC Week. Le souverain monégasque participait à une conférence sur les ressources des grandes profondeurs océanes. Il préside une fondation sur ce thème. Il a également rencontré des écoliers à Océanopolis. Gwen Fleur et Nicolas Gouriou l'ont rencontré. Rencontre insolite ce jeudi midi à Océanopolis à Brest. Près de 200 élèves de CM1 et CM2 ont pu s'entretenir avec le prince Albert II de Monaco. Le souverain monégasque, très attaché à la défense de l'environnement, en a profité pour livrer un message. C'est le message très simple que tout le monde peut, par son comportement, jouer son rôle dans la protection de l'environnement et dans une bonne pratique aussi pour aider à combattre les changements climatiques. Et ça va de la préservation des espèces, mais ça va aussi à la consommation d'énergie, à réduire sa consommation et réduire son impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Vous avez trouvé une oreille attentive auprès de ces enfants ? Je pense. Enfin, c'était un moment très sympathique et très très chaleureux. Dans l'après-midi, le prince de Monaco a présenté sa fondation dans le cadre d'une conférence au Quartz sur les grands fonds. Il a également rencontré l'explorateur Jean-Louis Etienne et prêté une attention particulière au projet PolarPod, une station océanographique habitée. Une clôture princière pour la CITEC Week, semaine dédiée aux sciences et techniques de la mer. Dans le dossier de la liquidation du groupe GAD, l'offre de reprise de la SVA Jean Rosé, filiale d'Intermarché, a été acceptée ce jeudi par le tribunal de commerce de Rennes. Le groupe de distribution reprend 530 des 755 salariés de Josselin. En revanche, aucune offre de reprise pour les deux unités de production de Lampol Guimiléau dans le Finistère. Elles sont encore en service et emploient 71 salariés. Et puis social encore, avec les manifestations contre le projet de budget de la sécurité sociale à l'appel de la CGT. Un millier de manifestants a défilé dans plusieurs villes du Finistère, comme à Brest, Quimper, Douarnenez, Quimperlé et Pont-l'Abbé. Et à Pont-l'Abbé, justement, pendant que leurs aînés manifestaient, les collégiens étaient en cours, des cours nouvelle génération, depuis la rentrée au collège Saint-Gabriel. On expérimente une nouvelle pédagogie avec pour objectif responsabiliser les élèves. Guy Abalin s'est rendu sur place. À première vue, cette classe de 6e du collège Saint-Gabriel de Pont-l'Abbé n'a rien d'extraordinaire. Mais dès les premières minutes, le ton est donné. Donc pas de stress particulier, pas de contrôle pour aujourd'hui stressant. Depuis la rentrée, le collège a mis en place deux classes de 6e expérimentales. Et chaque matin, la journée commence par une demi-heure d'accueil où les enseignants jaugent l'ambiance générale. Aujourd'hui, c'est le cours d'histoire qui inquiète les élèves. La séance débute donc par une vérification de leur savoir. Mais pas sous la forme d'une interrogation, juste par petits groupes, en travail collectif et en autocorrection. Ensuite, le cours prévu de mathématiques prend le relais, toujours dans le même esprit. On n'est plus dans du frontal avec les élèves, on est vraiment dans du coopératif. On valorise, c'est-à-dire qu'on cherche ce qu'ils savent faire au lieu de pointer ce qu'ils ne savent pas faire. Il n'y a plus de notes, donc on ne fait que des évaluations par compétences. Et une compétence qui n'est pas acquise un jour pour un élève peut l'être le lendemain en la réévaluant. À la fin de son cours, Émilie fera un résumé de sa séance, puis évoquera les notions nécessaires au cours suivant. Dans la continuité, sa collègue de français fera ensuite la même chose en interrogeant les élèves sur ce qu'ils ont appris en maths. Derrière ces nouvelles méthodes pédagogiques se cache Jean-Philippe Abgral. Après avoir longtemps travaillé avec les enfants en difficulté, il propose désormais au collège un apprentissage basé en partie sur les neurosciences et les intelligences multiples. Elle nous permet de savoir que les enfants sont tous différents, qu'ils apprennent différemment. Si on se limite à une entrée écrite, alors que l'enfant, ce n'est pas son approche immédiate, donc il est important que l'enseignant varie ses entrées, c'est-à-dire qu'il apporte un cours qui ne soit pas centré uniquement sur l'écrit, ou sur la logique, sur des tableaux, mais aussi sur justement un échange entre les élèves, sur des émotions, sur une vidéo qui représente un autre aspect. Il faut varier.
Au collège Saint-Joseph du Guilvinec, qui fait partie du même groupe scolaire, une expérience similaire a débuté l'année dernière et se poursuit en cinquième. Des classes dites coopératives qui attisent les curiosités. Depuis la rentrée de septembre, de nombreux collèges, dont le Liquès Quimpérois et la Croix-Rouge de Brest, sont venus s'imprégner de ce nouveau modèle. Ce mercredi à Concarneau, le stade Guy Piriou a accueilli des champions du monde. Didier Deschamps et Christian Carambeu ont rechaussé les crampons pour la bonne cause. Un match où le Variété Club de France affrontait une équipe amateur du coin. L'équipe des sports de TBO était sur place. Récit Gwenfleur. Du beau monde mercredi soir sur la pelouse du stade Guy Piriou à Concarneau. Didier Deschamps, Christian Carambeu, Claude Puel ou encore Antoine Comboiré ont rechaussé les crampons pour un match caritatif. Au sein du Variété Club de France, ces stars du ballon rond ont affronté une sélection de joueurs amateurs pour la bonne cause. Les grands champions, je ne passe pas des heures au téléphone à les convaincre de venir. Les grands champions sont respectueux. Les grands champions ont envie de donner, car ils ont beaucoup reçu. Et quand vous téléphonez à Didier Deschamps ou quand vous téléphonez à Laurent Blanc, même s'il n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il est pris par le Paris Saint-Germain, sont des joueurs extrêmes, sont des membres de variété qui sont extrêmement fiables. Il n'y a pas d'embrouille, c'est clair. Parce qu'ils ont envie de jouer encore au football. Et deuxièmement, ils savent que c'est pour des associations caritatives sérieuses. Les quelques 4500 spectateurs présents n'ont pas fait le déplacement pour rien. 12 buts au total. Et si le Variété Club de France s'incline 5 buts à 7, tous sur le terrain avaient un réel plaisir à se retrouver là. J'ai ma femme qui est originaire de Concarneau et j'ai toute ma belle famille qu'il y a. Donc j'y passe pas mal de temps pour les vacances notamment. Et c'est avec grand plaisir que je suis là. Je connais beaucoup de monde, donc c'est très sympa. J'essaye d'arbitrer, en tout cas pour les associations caritatives, pour le plaisir, pour le bonheur. Et puis aussi, ici, je suis dans un contexte que je connais particulièrement. Mes parents sont bretons et forcément, en étant ici, c'est un moment aussi exceptionnel pour cette fin de carrière. Au total, ce match aura permis de recueillir près de 30 000 euros au profit de deux associations, Plus de Vie, présidée par Bernadette Chirac, et Urma, parrainée par Laurent Blanc. La Pointe de la Torche va aussi accueillir ses champions du monde avec les Coupes du Monde de windsurf et de stand-up paddle à partir de ce samedi. Et un événement qui rappelle bien sûr la Coupe du Monde de 1986, il y a 28 ans. Christophe Boucher a suivi les préparatifs de cet événement nautique et historique. 20 ans que la Torche n'avait plus vu de compétition internationale sur ce site devenu mythique dans le monde des sports de glisse. En seulement deux Coupes du Monde, en 86 et 94, le spot Bigoudin s'est forgé une solide réputation. Déjà par l'histoire des épreuves de windsurf, avec Robin Neige qui est venu plusieurs fois sur le site, ça a toujours été un point d'attraction avec des conditions quelque peu extrêmes. Grosses vagues, du courant, des conditions loin d'être évidentes. Quand on parle de windsurf dans le monde et qu'on dit qu'on est français, on nous dit « tu connais la Torche ?» Donc c'est juste connu dans le monde entier la Torche, grâce aux épreuves des années 80. C'était venir voir les idoles que je caressais dans les magazines, voir un petit peu les figures qu'on n'avait pas l'habitude de faire, essayer de toucher un peu le Saint Graal. Alice Arutkin aime ce site et pour cause, la nordiste de 22 ans a décroché l'an dernier son 9e titre de championne de France de vagues à la Torche. C'est un spot mythique en Bretagne, il y a déjà eu des épreuves mondiales et ça s'est toujours bien passé avec des vagues énormes, donc c'est un des plus beaux spots de France je pense. Les grands qui sont passés ici, il y a Robert Territéo, Patrice Belbéoc, enfin, il y a beaucoup de champions qui sont venus ici donc, et qui adorent revenir, qui m'en parlent quand je les vois, donc... Donc c'est vraiment génial de pouvoir refaire une belle épreuve ici. Il aura fallu 3 ans de négociations et l'organisation du championnat de France l'an dernier pour enfin revoir les meilleurs windsurfers mondiaux dans le pays bigoudin. Et je pense qu'ils veulent venir à la Torche parce qu'ils en ont entendu parler. Certains n'étaient pas nés, il faut le dire. D'autres étaient nés. Mais je pense qu'ils ont envie de se confronter à un spot qui n'a pas vécu depuis 20 ans. Durant une semaine, les 130 meilleurs windsurfers du monde vont en découdre avec, en guise d'apéro dès ce week-end, des conditions idéales du vent et des vagues. Voilà, le vent et les vagues à retrouver dans un multisport spécial La Torche à 18h15 lundi sur TBO
et TB Sud. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.